ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons regarder la réalisation d'un visuel de type hologramme fait dans le logiciel 3D Maya et le moteur de rendu Arnold. Ce visuel est composé de trois couches, donc de trois shaders que l'on va déposer donc sur le personnage que l'on voit ici. Et ces trois couches, ces trois shaders vont être soit composités avec l'AI Layer Shader d'Arnold, soit composités dans Nuke, où on aura effectivement la possibilité dans Nuke d'avoir un compositing plus précis sur les trois couches de visuel que l'on va mettre en place. Donc ici, on va regarder la réalisation de ces visuels qui fonctionnent, comme on va le voir, avec principalement l'AI Standard Surface. Donc dans le compositing, enfin dans le compositing de layer, ici on va avoir d'une part donc le layer shader ici donc hop, voilà, on va avoir le layer shader qui va être composé de trois couches. Ici donc la 1, la 2 et la 3. Donc ici je suis sur un render setup, je vais revenir sur la scène de base. Voilà, les trois couches sont actives ici. Et donc chaque couche ici a son propre shader qui est ensuite mélangé avec donc ici le channel mix. Donc le premier a un mix de 1 et les deux autres ont des mix variables avec différents nodes utilitaires qui vont permettre de donner une semi-transparence à ces couches donc de layer 3 et 2 et permettre de voir donc en profondeur jusqu'au layer 1. Ok, donc on a ici les trois surfaces. On vend les trois standards surfaces qui sont connectés avec les deux mix ici que l'on voit, donc mix 2 et mix 3 pour input 2 et input 3. Donc là on a le rendu RT qui se met en place donc avec Arnold. Hein. Je suis revenu sur le compositing global donc avec les trois couches. Donc j'ai créé des render setup et des layers, on pourra voir ça dans un prochain tutoriel, qui me permettent de séparer les différentes couches. Donc sur la scène de base, eh bien j'ai les trois visuels de l'AI standard qui se mélangent, puisque sur le shader, donc le shader AI Layer Shader est posé dans la scène principale sur la femme ici. Et donc on a le AI Layer Shader posé donc sur la scène principale de base, scène sur le personnage ici. Donc on voit sa réalisation qui est relativement longue hein, pour compositer les trois shaders. Et ensuite avec les render setup ici j'ai séparé donc les trois couches, donc femme seule base, on peut voir le résultat, c'est un shader simple volumétrique, enfin pas volumétrique, surfacique, mais qui redonne les volumes donc du corps et ici du personnage. On va voir comment il est réalisé. Ensuite on a les lignes horizontales ici qui permettent de donner ce visuel de type un peu hologramme qu'on retrouve par tranche comme ça hein, ici. Et puis le visuel de courbe ici qui vont un peu à l'inverse donc des lignes horizontales qui sont un peu des lignes verticales comme ça que un peu tordues qui suivent les formes du corps du personnage ici. Et puis on a le layer volume ici qui va être comme on va le voir dans le compositing le layer qui permet de faire les lignes autour donc du personnage sur lequel on va retravailler en compositing. Donc ici dans ce tutoriel on va s'intéresser à la réalisation donc des différents shaders et principalement on va voir juste un exemple donc on va prendre par exemple celui qui nous intéresse là, donc c'est l'AI standard qui est enclenché, c'est le AI standard surface 1 ici, on va faire. Voilà. Et cet AI standard 1, et ici, on va ramener un peu les nodes pour les comprendre. Et
Il est significatif et représentatif de ce qu'on a à faire sur les deux autres AI standard surface avant de les compositer donc dans l'AI layer shader. On va utiliser principalement donc cette notion que l'on a qui est très intéressante dans Maya avec le node donc simpler info. On tape simpler info tab. Simpler info, hein, le voilà ici pour l'obtenir. Dans ce simpler info, on a des informations sur la scène et sur les objets rendus. Donc notamment sur le node, on le voit sur la droite, hein, on a point world, point objet, point caméra, normal caméra, UV coordinate, enfin bon voilà. On a différentes informations et notamment on utilisera donc par exemple pour faire une point pass. Le point world, hein, l'information du point rendu dans l'espace, qui est très intéressant bien entendu pour faire ce qu'on appelle du relighting dans Nuke par exemple. Et ici on va utiliser le facing ratio qui est beaucoup utilisé, qui permet de définir donc avec une variable le facing ratio qui varie entre 0 et 1, les faces qui sont face à l'axe de la caméra et celles qui sont perpendiculaires à l'axe de la caméra. Et donc entre les deux, on a une variation de 0 et 1. Et donc ça va nous permettre avec cette variation de 0 et 1 de piloter une rampe ici. Cette rampe que l'on voit ici va nous permettre donc de définir une position par rapport à l'axe de la caméra sur la surface filmée d'une forme, de savoir où ça va se trouver sur les bords, au centre. Donc quand je dis sur les bords, ça veut dire que les faces vont être perpendiculaires. Le bord étant tournant sur une surface arrondie, les faces vont être, les normales vont être perpendiculaires à l'axe de la caméra, et celles qui vont être donc face à la caméra vont avoir une autre valeur. Donc ici, on peut utiliser une rampe. Alors assez classiquement, avant de voir le noise, ce facing ratio, on le câble sur. On va le voir ici sur le V-coordinate. Donc quand on crée une rampe, hein, toujours pareil, on fait tab rampe, hein, rampe et on a texture ici, rampe texture. Donc la rampe texture, elle est connectée à un node de placement 2D texture, comme on peut voir ici au-dessus sur ma grille. Ok? Et ici, donc, on va supprimer le placement 2D texture et le remplacer par le node simpler info au niveau donc de sa connexion entre facing ratio et V coordinate ici. Donc du coup c'est le facing ratio qui va piloter la coordonnée V ici et on va donc pouvoir piloter donc maintenant la rampe. Donc on va avoir une V rampe type V rampe, hein, on le voit sur la droite. Ici l'interface dans l'attribut editor, VRAMP, interpolation bon linéaire ou smooth, ici on a d'autres bien entendu, et donc la VRAMP maintenant avec le facing ratio derrière va piloter donc la rampe. Donc ça c'est assez classique au niveau, donc je vais redescendre les paramètres pour qu'on voit bien, voilà ici de noise, et puis on a du noise sûrement dans le saturation, voilà. Ok. Donc j'enlève tout le noise éventuellement, donc on avait 0,5. Voilà. Je le remets comme c'était au départ. Et ici j'élargis légèrement un peu voilà, la forme. Qu'on comprenne mieux le fonctionnement donc, du facing ratio branché sur la rampe. Hein. On voit qu'on a le contour ici donc, de la forme. Parce qu'on est donc plus ou moins sur le bord. Alors si on voulait vraiment, donc voilà, on va hop. Voilà. Ici, voilà. Et donc ici, on va avoir le contour de la forme, ça veut dire que notre rampe varie entre 0 et 1. 0, c'est les faces qui sont perpendiculaires à l'axe de la caméra. On voit que c'est toutes les faces qui sont sur le bord du personnage, hein, du modèle. Si je clique, voilà le modèle, hein, ici. Et on voit que toutes les faces qui sont perpendiculaires sur les bords, eh bien, vont recevoir l'information ici donc de la rampe. Hein. Et puis, toutes les faces qui sont face à la caméra seront dans la partie noire ici de la rampe. Alors je peux très bien inverser le processus, hein, voilà ce que ça va donner. Ok, donc on voit tout de suite qu'on a bien l'effet inverse ici, et que en fait on va pouvoir avoir à ce moment-là la partie centrale et pas les effets de et pas le bord. On voit que le bord il est usé et on n'a pas le contour ici de la forme, puisqu'il reçoit donc du noir ici. Donc ça c'est très intéressant de pouvoir utiliser ici à bon escient donc
cette fonction-là. Et donc on va venir resserrer donc ici, avoir définir une ligne plus ou moins proche du bord. Voilà, ici. Donc on va la resserrer un peu. Hein, voilà. On pourrait éventuellement, dans les couleurs, mettre du noise, hein, c'est ce qu'on a fait, pour avoir des lignes comme ça en pointillés. Hein. Donc on va plus ou moins élargir, définir, voilà. Et à partir de ça, voilà. On va venir ensuite donc faire deux choses, mettre des noises donc dans certaines couleurs au lieu d'avoir des couleurs unies. Ici on a donc on le voit Selected Color, j'ai mis un connecté un noise qu'on va retrouver donc au niveau, je remonte ici, au niveau donc de la couleur plutôt claire ici, qui va donner entre clair et noir, qui va donner ces effets encore une fois de pointillés que l'on voit. On n'a pas une continuité, hein, voilà, ici. Ok. Donc si on veut quelque chose de plus large, voilà, on va mieux le marquer. Hein. Et puis on peut aussi imaginer dans cette rampe, on revient sur la rampe. Ok, sur la rampe. Voilà. On peut imaginer, donc comme c'est le V rampe, on peut imaginer un V wave ici. C'est-à-dire que ça va onduler. Voilà. Et permettre donc d'obtenir des éléments comme on voit ici, alors avec des épaisseurs donc plus ou moins importantes. Donc hop, on va supprimer ici. Et hop, au niveau de la rampe, je reviens ici sur la rampe. Voilà, on va venir resserrer pour éviter de donc on était assez serré hein, sur la solution, voilà, pour éviter d'avoir des paquets trop importants. Et on va pouvoir donc voilà avoir donc avec un V-Wave relativement important des ondulations. On pourra rajouter éventuellement du noise, alors plutôt déjà sur le value, hein. Alors on a le noise général hein, ici que l'on peut donc mettre en place avec une certaine fréquence. Voilà, ça permet donc de bruiter le V-Wave aussi hein, ici, donc l'importance ici. Et puis voilà, si on veut plus ou moins donc avoir quelque chose, un petit bruit fin, on va augmenter donc le noise fréquence, ou un petit bruit donc plus large, voilà, et on va donc diminuer la valeur du noise fréquence ici. Voilà, on va obtenir, voilà ce qu'on obtient ici, hein, et ça va être connecté donc sur le bass color et sur, alors la rampe, la voilà, ok ici. Okay. Elle va être connectée sur la base color, comme on le voit ici dans l'hypershade, et dans l'émission color. Et dans l'émission ici, donc le high standard, je rappelle, hop, voilà, le outliner, gêne, fermez ça, voilà. Donc la high standard surface, on a donc une base color qu'on a connectée, éventuellement un specular, et surtout une émission. Donc on a un weight et un color. Donc le color c'est la rampe, et le weight on a pris donc une autre procédurale, la grille ici, qui permet donc de donner des points de brillance. Et donc on voit qu'on a des zones qui vont être plus claires que d'autres. Donc bien entendu on peut exagérer ça en venant combiner donc ici un multiply. Donc ce qu'on va faire, on va tab multiply divide ici, et on va venir donc connecter, okay, la grille donc out color sur le 1 ici, et puis out, alors ici comme on a une seule valeur, ok, je vais déplacer mes noise, voilà, la grille ici, okay, je vais revenir sur la constitution de la grille. Ok, et ici je vais rajouter donc un node luminance, ta manière de passer de RGB à la sortie du multiply value à une seule valeur, donc un niveau de grille que l'on va pouvoir connecter à l'émission ici. Ok, voilà, ici à ce niveau-là, voilà. Ok, donc on a la grille, multiply divide et luminance.
Et donc, on va pouvoir, donc avec le multiply divide, venir éventuellement augmenter, donc en mettant par exemple une valeur à 2 sur les 3, voilà, ici, cette valeur-là. Donc, on voit ça augmenter un peu. Donc, on va y aller avec une valeur de 5, voilà, ici. OK. Et on voit qu'on augmente donc de manière ponctuelle l'effet ici de brillance de certaines zones. Alors ça, c'est dû à la grille. Alors le multiply divide permet de multiplier cet effet-là. Le luminance permet de transformer en un seul niveau de grille parce qu'on a un paramètre émission seulement. Et ici, on va donc avoir une grille. Donc la grille de départ, si j'enlève donc ici le paramètre qui est connecté donc au color gain. Ici, ok, et hop, voilà. On va venir donc sur la grille ici. On va voir donc line color, filter color, et puis on a ici les largeurs donc des éléments U et V. Donc on a mis un noise aussi dessus. On peut le supprimer. Et donc à ce moment-là, on va avoir quelque chose de plus régulier, voilà, en termes de grille, hein. Ici, on a line color et filter color. Et puis on peut augmenter les lignes pour avoir donc quelque chose ici de plus large en termes de lignes et de carreaux blancs. Donc c'est les carreaux blancs qui vont produire donc de la luminosité, puisque c'est la valeur qu'on aura maximum ici. Hein. Et donc on peut diminuer aussi la coloration ici, avoir des niveaux de gris entre blanc et noir pour être plus contrasté. Hein. Et donc on voit ici, on a des zones, carrément des gros carreaux, hein, des bandes noires hein, qui coupent donc le personnage. C'est ces lignes noires que l'on voit. Donc on peut rejouer aussi sur la grille, sur le placement de texture, en augmentant le repeat UV, donc en mettant 10 pour moins voir, avoir des lignes plus courtes, de distance plus courte. Hein, on voit moins à ce moment-là les lignes. Hein, on voit un peu quand même ce motif sur le bras, là, le motif de répétition des lignes horizontales. Et donc du coup, l'idée, c'était de venir connecter justement un noise. Pour éviter d'avoir ces lignes marquées. Et donc un noise va me permettre en output ici, alors où je peux aussi le faire un drag and drop, hein, ce sera plus simple. Je reprends mon gris, bouton numéro de la souris, drag and drop sur U et drag and drop sur V ici. Et donc du coup j'ai quelque chose de beaucoup plus brouillé ici. Hop, Hypershade, je récupère. Voilà. Et je vais pouvoir donc à ce moment-là avoir donc quelque chose, peut-être, je vais voilà, avoir quelque chose de moins noir, j'ai quelque chose de plus brouillé, de ramener un peu de luminosité pour voir quand même apparaître quelque chose. Donc voilà le travail ici que l'on peut faire pour avoir et en même temps donc des variations donc avec la rampe et puis le V-Wave et puis le noise dans la rampe, des variations donc des traits qui vont redessiner les bords du personnage avec des variations et en même temps des variations d'intensité de ces traits qui vont être dues à une valeur d'émission qui sera variable grâce notamment à une grille. On peut trouver un autre système, un gris et un noise derrière. Donc voilà comment on va pratiquer, que ce soit pour ces lignes-là que j'appelle les lignes courbes, que ce soit pour les lignes horizontales, on va utiliser une grille mais de différentes façons, avec une rampe, et que ce soit pour le troisième visuel de fond, on va utiliser une rampe et un shader classique en basse color pour faire apparaître que ceux qui nous intéressent sur les bords ou au centre, et pouvoir compositer donc ces trois niveaux. Donc on le verra dans un prochain tutoriel comment compositer donc ces trois niveaux de telle manière d'obtenir exactement le visuel que et comment aussi on voit le visuel résultant ici comment on peut donc ici venir donc compositer avec un halo lumineux autour du personnage. Et ces fameuses lignes aussi qui entourent le personnage qui ont été blurées, donc ensuite en compositing. Donc tout ça, c'est un travail de compositing, effectivement, qu'il est plus intéressant de maîtriser dans le compositing dans Nuke que dans Maya totalement, bien entendu, et d'où l'intérêt de penser compositing par rapport à ce que l'on obtient comme information visuelle et technique dans le rendu 3D avec Arnold ou tout autre type de moteur de rendu.